après-midi de permettre à Alain de venir vous expliquer son histoire, l'histoire de Metweb, et revenir sur ce gros mot qu'est l'IPO, mais qui n'en est pas un finalement. Et donc Alain est accompagné de Sylvain, qui est CEO de Pastèque Games, qui est la dernière acquisition du groupe Mecom, qui est adhérent de Mecom. Et donc Roman, qui est CEO de Kiloton Racing, qui est aussi est pour nous la première acquisition du groupe Mecom. Et donc l'idée, c'est de nous donner un petit peu de perspective et prospective sur ce que ça représente. On parlera aussi un peu de souveraineté française du jeu vidéo, c'est quand même important dans la situation dans laquelle est aujourd'hui l'industrie. Et puis du coup, j'en profite pour remercier BPI France et Nathalie pour l'organisation de cette superbe après-midi. Voilà, Alain, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter très rapidement mon histoire parce que je suis plus tout jeune. J'ai créé mon entreprise en 1981, donc c'était Big Ben à l'époque. Donc en sortant de l'école, je suis ingénieur électronicien et j'ai créé en sortant de l'école mon entreprise avec quelques milliers d'euros que j'ai gagné pendant mes études en faisant les marchés. Donc voilà. Donc j'ai commencé dans la montre, ensuite je suis passé à l'audio, et ensuite dans les années 90, l'accessoire jeux vidéo, et puis ensuite l'édition. En 99, j'ai introduit Big Ben en bourse. C'était un gros succès, j'avais levé 10 millions d'euros. Il y a toujours eu des solutions. Des solutions comme vous avez pu voir tout à l'heure, lever des fonds auprès de gérants de fonds. Et puis il y a la solution de l'IPO, et puis il y a la solution bancaire d'avoir des crédits. Alors, des crédits, bon, je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, bon, il y a BPI, c'est pas pareil, c'est beaucoup mieux que les autres banquiers, mais les banquiers en général, alors avec l'expérience que j'ai d'une quarantaine d'années, quand il fait beau, ils vont vous prêter tous les parapluies que vous voulez, mais vous n'en avez pas besoin. Et dès qu'il commence à pleuvoir, ils viennent les chercher en courant. Donc, ce qui fait que assez souvent, on se retrouve dans des situations dramatiques. Parce que quand on a plus besoin de cash, c'est au moment où les banquiers nous demandent de rembourser les découverts qui restent. Donc, effectivement, c'est pas l'idéal. Le prêt bancaire, c'est mieux déjà des prêts moyen terme plutôt que court terme. Parce que moyen terme, vous avez un calendrier de remboursement. Et au moins, on ne va pas vous demander de rembourser par anticipation. Donc c'est déjà mieux. Si, je ne sais pas si tout à l'heure vous en avez parlé, il faut éviter ce qu'on appelle les covenants, c'est-à-dire des cas où vous devez rembourser par anticipation si vous n'avez pas fait votre business plan. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne vous en sortez pas, et bien sûr, quand vous n'en sortez pas, on vous demande de rembourser tout de suite. Ce que, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est la catastrophe nucléaire. Donc nous, on avait de l'argent en bourse. L'avantage de la bourse, quel est-il? D'abord, on va avoir beaucoup d'actionnaires. Quand on a beaucoup d'actionnaires, l'avantage, c'est que celui qui n'est pas content, il vend ses actions, puis on en a d'autres. Voilà. Et bah, en général, on n'est pas embêté par les actionnaires. S'il y a 30, 40, moi je dirais Big Ben, il y a 65% du capital qui est en bourse. Moi j'ai que 13%. Et on ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Donc c'est en général beaucoup de liberté. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais on a quand même beaucoup de liberté. Qu'un fonds, quand vous allez avoir un fonds, s'il y a 30%, des fois si vous ne faites pas votre business plan, il pourra monter plus haut parce que ça dépendra du contrat. Donc il pourra se relever et puis peut-être prendre le contrôle. Puis derrière, c'est pas ce qui se passe. Quoi. Souvent, le problème, souvent, c'est qu'ils ont du mal à comprendre. Ils ont leurs idées qui sont peut-être différentes des vôtres. Et quand tout marche bien, ils ont les mêmes que vous. Et dès que ça marche pas bien, ils ont des idées différentes qui sont peut-être les bonnes, mais qui peuvent aussi ne pas être les bonnes du tout. Donc la bourse, il y a un peu cet avantage. Il y a aussi des gros inconvénients. C'est-à-dire que quand la bourse, c'est un amplificateur. Donc quand ça va bien, ça va très bien, tout le monde le sait, ça vous fait du marketing, c'est génial. Quand ça va mal,
ça amplifie le fait que ça va mal et tout le monde sait que vous allez très mal et que c'est catastrophique. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas non plus, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Voilà. Ensuite, voilà, Big Ben est en route depuis 1999, il a eu sa vie avec les hauts et les bas. Je ne vais pas passer par tous les détails, sinon c'est trop long. Et donc, l'année dernière, à force de rencontrer des fonds, il me dit « Ouais, Big Ben, c'est pas bien valorisé, puisque vous faites plein de choses, vous n'êtes pas un pure player, vous faites des jeux vidéo, mais vous faites aussi de l'audio, de la téléphonie. Nous, si vous faisiez que des jeux vidéo, ça vaudrait beaucoup plus cher, donc si vous voulez lever de l'argent, vous pourrez lever sur des ratios plus élevés. » Donc, j'ai fait une deuxième IPO l'année dernière, donc 20 ans plus tard, 20 ans après la première. Et on a fait quelque chose d'assez complexe, puisque c'est quelque chose, Big Ben, on a créé une nouvelle société, qui est la société Lincoln, qui n'existait pas avant l'IPO. Donc on a créé une société qui, avec ce qu'on peut appeler, ça peut paraître un peu barbare, un apport partiel d'actifs, c'est-à-dire qu'on a pris tout l'actif jeux vidéo, les gens qui étaient dedans, on a tout découpé. Ensuite, on a fait des comptes pro forma des années antérieures, comme si cette société existait, alors qu'elle n'existait pas. Et on a fait un business plan. Et tout ça, on a fait un gros document qu'on a remis à l'AMF, et on a effectivement levé plus de 100 millions, avec une valorisation qui était trois fois la valorisation de Big Ben pour seulement une partie. Donc effectivement, parce qu'à l'époque, Big Ben valait moins de 200 millions, et on a mis l'école en bourse sur une valeur de 500 millions, et on a levé 100 millions. Donc effectivement, on peut dire que c'était intéressant, c'était une bonne opération. Voilà. Les investisseurs nous ont suivis. Ils nous ont suivis pourquoi ? Parce qu'on avait un plan. Et le plan qu'on a présenté, c'est de dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est le contenu. Ça, vous avez tous compris, puisque c'est là-dessus que vous travaillez. Et de plus en plus, avec les nouvelles plateformes, avec Amazon, avec Google, Netflix qui va arriver, etc., tout le monde veut du contenu de qualité. Et le contenu de qualité, puisque toutes ces grosses plateformes, ils perdent de l'argent très souvent, mais ils veulent gagner des joueurs. Pour gagner des joueurs, ils doivent avoir le contenu que les joueurs veulent. Le joueur, s'il cherche un jeu de pêche à la ligne, et qui est un fan de pêche, il ira chercher le jeu de pêche sur la plateforme qui a le meilleur jeu de pêche. J'ai pris un exemple un peu bête, mais c'est pas grave. C'est pour dire, pour vulgariser, en disant le joueur ira chercher le jeu qu'il veut sur la plateforme qu'il veut. Donc les plateformes, ils ont intérêt à avoir un catalogue le plus large possible et avec les meilleurs jeux, puisque le joueur, ce qu'il cherche, c'est des jeux, c'est pas des plateformes. C'est ce qu'a fait Netflix, hein, de façon très simple. Au niveau des séries, il a acheté toutes les séries, il a dépensé des milliards, il est devenu leader mondial, il gagne toujours pas d'argent, mais en tout cas, voilà, il a fait ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui créent des contenus vidéo, ben, on me disait, c'est 30 à 40% plus cher qu'il y a 7-8 ans, et donc aujourd'hui, tous ceux qui créent des contenus, des séries de qualité, ils gagnent bien leur vie, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc on voit bien que le jeu vidéo, c'est un marché qui fait un peu plus de deux fois le marché de la vidéo. Donc on voit qu'aujourd'hui, la guerre des contenus, elle continue et elle s'accélère. Et donc la stratégie de Macom, c'est de créer des contenus, d'avoir des contenus, d'être propriétaire des IP, d'éditer des jeux. Si possible, être propriétaire de l'IP, des fois pas, des fois ça peut être en partenariat avec un studio. Et puis ensuite, c'est le revenu du bac catalogue qui devient très important. Vous savez bien, il y a 7-8 ans, on sortait un jeu, on allait le vendre, on le vendait chez Micromania, chez Carrefour. Au bout de deux mois, il ne se vendait pas, et Carrefour et Micromania, ils nous disaient, bah, il faut le reprendre, parce que nous, on n'a pas de place, on a des nouveautés qui arrivent. Et donc, si le jeu, il avait coûté 1 million, et que, voilà, on prenait les retours, et on avait perdu 1 million. Parce que non seulement le coût de développement n'avait pas été payé, on n'avait pas réussi à recouper, mais en plus, les jeux physiques qu'on avait en retour, on ne savait rien en faire, on allait les vendre en dessous du prix de duplication à 2-3 euros, alors que les Nintendo ou Sony nous prenaient 8 euros pour dupliquer le jeu.
Donc, les choses ont beaucoup changé, heureusement pour l'industrie du jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui, il y a une grande majorité de jeux qui sont rentables, alors qu'avant, il y a une grande majorité de jeux qui étaient déficitaires. Donc, la stratégie de Nacon, ça a été de dire, voilà, nous, on veut bâtir un catalogue, puisque c'est l'avenir. On a levé de l'argent, donc c'était pour investir dans des productions. Et si possible à nous, donc acheter des studios. Là aussi, dans le fait de dire on achète des studios, c'est une solution B, un plan B par rapport aux solutions de lever de l'argent, comme vous avez pu voir. Mais effectivement, souvent, ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous voulez lever de l'argent pour auto-éditer, pour devenir éditeur. C'est logique, puisque je dirais, l'avenir, c'est ceux qui sont développeurs, éditeurs. Effectivement, sinon, il y en a un qui dépend de l'autre. En général, il y a souvent des fois il peut y avoir une petite méfiance, etc. Quand on fait tout, on contrôle tout, c'est toujours mieux. Alors, quand on va, je dirais, nous, pour acheter des studios, alors au début, on s'est posé des questions. On peut prendre une participation. Si on prend une participation, on fait comme un fonds, on va dire, on va prendre dans votre studio 30% et puis on va faire une production ensemble, etc. C'est bien, mais pour vous, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un éditeur qui aura 30% du capital, vous serez pieds et poings liés avec cet éditeur qui ne pourrait pas signer avec son concurrent alors qu'il a 30%. Que le studio il puisse faire les rêves qu'il a. Les rêves, c'est de faire un gros jeu de qualité, plus grand que ce qu'il a fait avant. Et donc, ça, on va dire, ok, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On discute ensemble et on dit, voilà, moi, j'aimerais bien, d'habitude, je fais des jeux à 1 million. Là, je voudrais faire un jeu à 4 millions. Je vais embaucher 17 personnes et on pourra faire un jeu à 4 millions. Ok, on fait le plan et on fait un plan. Et quand on achète le studio en même temps qu'on fait le plan, on dit oui. Toi, tu me dis que tu veux 4 millions, je t'achète le studio à un prix, on fait un jeu à 4 millions, mais si le jeu à 4 millions c'est un gros succès, le prix que j'ai donné, je paye le double. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des earn-out. C'est-à-dire qu'on va payer des compléments de prix pour faire monter le prix en disant on parie sur l'avenir, c'est un succès, et moi, pour Nacon, je suis très content de payer beaucoup plus. Parce que plus on va payer, en réalité, plus on va gagner. Donc l'intérêt, c'est que ça soit des gros succès. Donc on va dire, voilà, on fait des earn-out. Parfois on paye en cash. Parfois on paye aussi partiellement en actions Nacon. Parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est que les gens avec qui on travaille, ben, qu'ils soient actionnaires et qu'ils aient les mêmes intérêts que nous. Voilà, donc on peut, tout ça, c'est partie des discussions. Et puis ensuite, on fait des plans d'actions gratuites. Pour le CEO de la société, mais aussi pour les collaborateurs. Donc les personnes clés qu'ils ont, ils peuvent aussi avoir des plans d'action. Comme ça, si le président il vend la société, ben, il ne veut pas que lui qui touche de l'argent, et aussi les salariés qui sont gagnants. Donc c'est essayer voilà, de faire un plan à long terme avec le studio pour trouver l'intérêt. Et puis bien évidemment, il aime la course automobile, il ne demande pas de faire du tennis. Hein. Merci. Donc, c'était content. Hein. Merci. Donc, bien évidemment, celui qui fait des actions RPG, il ne fera pas du sport, et etc. Donc, le but, c'est qu'un studio, il a un savoir-faire, une ADN et des passions. Et on veut surtout, c'est que les passions, c'est le plus important. Hein.
quelqu'un qui ne travaille pas dans la passion, il travaille mal. Donc le but, c'est de conserver la passion de tout le monde, et donc il ne faut, pas modifier un studio. Donc le studio, il va continuer, une fois qu'on l'a racheté, il va continuer à gérer son studio comme il le gérait avant. Il n'y a pas de, changement, hein. C'est plein pouvoir pour le studio, il y a juste l'éditeur Nacon sur lequel il y a un contrat qui dit voilà, on va faire chez Kiloton, Tesra, Ivan et Miteux, des WRC 10. Voilà. Et donc on a deux jeux en préparation chez les équipes. Et puis une fois que le WRC 10, on discute ensemble, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Et donc bien évidemment, on discute avant. L'avantage par rapport, quand vous avez une relation développeur-éditeur, souvent ben, vous sortez un jeu et puis il faut trouver un nouvel éditeur, peut-être le même, et rediscuter d'un projet avec parfois une période où il faut continuer à payer les salariés, où il n'y a plus rien à faire. Donc ça, c'est effectivement, nous, on prévoit avant. Donc voilà un peu, je dirais, la, stratégie de Nacon. Aujourd'hui, ben, on continue à investir, on cherche. On est sur PC console, on n'est pas mobile, voilà, on reste là-dessus. C'est notre savoir-faire, derrière on a une équipe d'édition, donc un peu, en France il y a des focus qui n'ont pas le même profil. Voilà. Je n'ai pas fait le tour. Évidemment, si vous avez des questions à poser, elles sont les bienvenues. Moi j'en ai plein. C'est bien, c'est fait court. Je peux continuer. Justement, vous parliez de, comment dire, du côté peut-être un peu négatif qu'il y a dans le rachat de studio. Or, on voit que ça peut être une super solution aussi dans le cadre du développement de l'entreprise. Donc, peut-être, Roman, si vous voulez nous raconter... Parler des aspects négatifs. Non, justement... Mais avec plaisir. Justement... qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment ça se passe et surtout l'avenir, comment ça se profile? Alors, en fait, on est un petit peu un cas particulier, je pense, dans le groupe Nacon, c'est que effectivement, on est le premier studio à avoir été racheté par le groupe, mais on a aussi un long passé de collaboration avec le groupe. Ça fait plus de 10 ans avant ce rachat qu'on collaborait déjà et qu'on développer des titres pour le groupe. Donc ça s'est fait très naturellement. Ça, pour moi, c'était la suite logique des choses. J'en présentais des raisons, mais les aspects négatifs, il n'y en a pas vraiment. Honnêtement, ça n'a fait que fluidifier nos relations, les productions, donner de la visibilité au studio, c'est super important. Moi, ça fait 25 ans que je fais le métier de développeur, je n'avais jamais eu 4 ans, 5 ans de visibilité parfois. Pour un studio, c'est inespéré. Ça, c'est génial. Ça permet de se concentrer sur la qualité. Ça permet d'investir, dans notre cas en tout cas, sur la R&D, moteur propriétaire, etc. Après, il y a 2-3 salariés dans la salle, il y a peut-être des aspects négatifs que je ne vois pas. Honnêtement, que des aspects très productifs et donc positifs. Alors, tu n'es pas une exception, hein, parce qu'on a racheté 8 studios, enfin 8 sociétés, 11 studios. Et je pense qu'il y en a 3 ou 4 avec qui on travaillait déjà avant, comme toi. Hein. Ouais. Il y a Avico, il y a Neopica. Et il y a un bilan, donc il y en a 4 sur 8. Hein, ouais. Donc qui, la moitié, on travaillait déjà, ils nous connaissaient déjà. Et effectivement, l'autre moitié ne travaillait pas avec nous, ou peu avec nous. À l'instar, c'est bon. Dernière acquisition post-IPO. L'autre moitié. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait un peu naturellement à la fin de notre dernier projet. Comme disait Roman, moi ce que je cherchais c'était après 8 ans d'existence du studio, je cherchais un peu de stabilité, de visibilité sur le long terme. Comme l'expliquait Alain, la vie d'un studio,
Donc, on était en train de parler de notre quatrième jeu, Curse of the Dead Gods, et entre chaque. La période entre chaque production est assez intense et ne correspond pas vraiment au travail du développeur de jeux vidéo auquel on s'attend quand on se lance là-dedans. Il faut contacter des éditeurs, préparer des dossiers, trouver des financements et puis payer les salaires. Et là, j'étais arrivé à un stade au studio avec une dizaine de salariés. Et donc, la charge que ça représente, donc je cherchais un partenaire qui ait des finances assez solides pour pouvoir m'assurer que le futur, que je puisse continuer de payer les salaires dans le futur sans avoir à me faire beaucoup de soucis entre les projets. La période aidant, effectivement, j'ai été approché, puis avec le succès qui commençait à être amorcé sur Curse of the Dead Gods, j'ai été approché par plusieurs éditeurs. Et c'est avec Alain que ça s'est mieux passé, et qui avait la proposition qui me paraissait effectivement la plus simple et la plus limpide pour quelqu'un qui est néophyte de toutes les sessions acquisition, levée de fonds, prêts bancaires, etc. C'est la proposition qui me paraissait la plus simple pour qu'on puisse continuer de développer des jeux de qualité, en se souciant surtout de la production de jeux, en continuant de développer l'équipe et en capitalisant sur notre savoir-faire, en ayant l'assurance d'un groupe qui nous aide à nous développer. Pour revenir sur Nacon, en fait, ça a été la meilleure introduction sur Euronext de l'année dernière, quand même, il faut le dire. Et vous faites partie d'une des cinq seules entreprises du jeu vidéo aujourd'hui française sur la bourse. Donc là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas trop la bourse, c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs beaucoup plus massivement représentés sur les marchés. Et en fait, ma question, elle est vraiment liée à ça, c'est qu'on voit, on en a parlé tout l'après-midi, la question du financement des entreprises de vidéo est cruciale aujourd'hui, pour à la fois, on voit un souci de rester entre guillemets indépendant, c'est-à-dire rester français, quelque part, de continuer à pouvoir faire ses jeux comme on l'entend. Et en face, un certain nombre de types de financeurs, d'investisseurs français, étrangers, etc. Donc, comment vous voyez un peu les mois, les années qui viennent sur ce marché du jeu vidéo, sur ce financement? Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui vont être en bourse ou on est arrivé à certaines boîtes? Non, je crois qu'aujourd'hui il y a de l'argent et il n'y a pas de problème. Et je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Donc, c'est vrai que nous, on l'a fait l'année dernière, ça a été un peu rock'n'roll. On a fait un plan, on a présenté. Bon, les stratégies, comme je viens de vous la présenter, relativement simple. Donc c'est vrai que pour des investisseurs, en général, il faut être... Que vous leviez des fonds ou que vous alliez en bourse, il faut un message clair, simple, compréhensible, y compris par des néophytes. Hein, puisque les gens qui investissent, ils investissent dans le jeu vidéo, mais ils investissent peut-être aussi dans les éoliennes et dans autre chose. Hein. Donc il faut essayer d'être clair, simple, basé sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le contenu, on veut investir dans le contenu, acheter des studios et on veut construire un catalogue. Donc ça, dans le cas d'un studio qui pourrait être assez important, je dirais, s'il arrive à un certain chiffre d'affaires, c'est pareil, dans la bourse, en France, il y a deux marchés, il y a le marché réglementé, et puis il y a le marché growth, qui est un marché où c'est un peu plus souple. C'est un peu plus facile, les contraintes, je dirais, sont moindres en termes de présentation des comptes, etc. Donc c'est un peu moins cher, un peu plus simple. Donc il y a la solution, à l'époque c'était le hors-cut, aujourd'hui c'est growth. C'est une solution pour se développer, vous avez de l'argent. Aujourd'hui les jeux vidéo sont bien vus par le marché. Il faut essayer, pour bien y arriver, il faut
faut pas rester franco-français, il faut chercher des investisseurs anglo-saxons, puisqu'ils sont prêts à payer un peu plus. Donc on a un actionnariat sur Nacon, on a levé de fonds, je crois qu'on a fait 47% France, 53% international. Beaucoup nordiques, anglais, un peu d'allemand. Voilà, pour la plupart. Nous, ça a été compliqué. Pourquoi ? Parce que on avait prévu de se mettre en bourse vers le 25 mars l'année dernière. Comme vous vous souvenez, il y a eu le Covid qui est arrivé. On a vu que la bourse allait s'effondrer. On est sorti plus tôt. On a avancé au 4 mars. Et donc, ce qui veut dire que j'ai passé mon temps à faire des conf-calls avec des investisseurs dans des voitures avant d'aller dans des endroits. C'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de rendez-vous par jour. Donc, j'ai dû en faire 12 par jour, de 1 heure au téléphone ou en conférence call ou en physique. Et quand on était dans une voiture qui allait de Bruxelles à Amsterdam, pendant les 3 heures de voiture, je faisais 3 rendez-vous. Donc, c'était un peu fatigant. Mais bon, à la fin, ça a réussi, heureusement, puisque certainement qu'une semaine plus tard, c'était foutu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, il y a des périodes, vous pouvez très bien démarrer un dossier, puis quand vous êtes prêt, la bourse n'est pas bonne, et donc il faudra attendre. Il y a des fenêtres, il y a des moments où le marché, il y a de l'argent, les gens sont prêts à dépenser, et puis il y a des périodes où tout le monde a peur, et donc le marché n'est pas prêt. Par rapport au financement, Nacon rachète un studio de 20%. Vous, ça vous donne de la visibilité sur le long terme en termes des apports financiers pour pouvoir gérer les productions de vos jeux. Avec un calendrier, j'imagine, beaucoup plus lointain que si vous étiez complètement indépendant dans la relation des éditeurs. Donc ça veut dire que du coup, la partie financement, en fait, elle est transvasée au niveau de Nacon, et c'est Nacon qui va aller chercher soit à tout son propre, soit avec différents groupes moyens. Alors, je dirais, un studio qui appartient à Nacon, Nacon fait un contrat avec son studio, il fait un contrat avec lui-même si on veut, sur lequel on fait des milestones, comme avec un éditeur classique, et donc à chaque production de milestone, Nacon y paye. Voilà. Maintenant, s'il ne va pas refuser une milestone et puis pas payer en disant les salaires ne vont pas être payés, donc il est toujours là. Quoi. Mais en réalité, on travaille de la même manière avec les studios qui appartiennent à Nacon que les studios qui n'appartiennent pas à Nacon. C'est-à-dire, on fait des milestones, un plan, et puis si en discutant après ensemble, on dit tiens, le jeu, il faut rajouter 6 mois, il faut rajouter 1 million d'euros, parce que sinon, on va couper des trucs, et puis là où on en est, le jeu sera moins bon, et ça ne correspond pas par rapport à la concurrence et ce que les joueurs attendent, on rediscute et on modifie. Mais ce qui peut aussi se faire, des fois, avec des studios qui ne nous appartiennent pas. Maintenant, c'est vrai qu'on est plus tranquille quand c'est notre studio que quand c'est un studio partenaire, mais enfin, il faut aussi. Hein. L'intérêt aujourd'hui, de toute façon, quand on voit le marché tel qu'il est, il y a une prime à la qualité. Et il faut faire de la qualité. Donc, c'est, je pense que le temps où on sort un jeu complètement buggé, voilà, c'est dépassé. Donc aujourd'hui, il vaut mieux soit me décaler de 6 mois ou décaler d'un an, de sortir de que le jeu soit meilleur. Donc aujourd'hui, c'est... Voilà. Ça, c'est un inconvénient de la bourse. Parce que la bourse, ils attendent des chiffres. Alors, quand on ne sort pas le jeu, il n'y a pas de chiffres. Donc ça, c'est un inconvénient. Mais d'un autre côté, l'avantage aujourd'hui, alors c'est plus quand on a un catalogue important. L'année dernière, l'année d'avant, on avait sorti 15 jeux, et l'année dernière, on en a sorti que 8. Mais en même temps, le back catalogue, c'est-à-dire les jeux des années précédentes, qui l'année précédente faisait 10,8 millions chez Nacon, a fait 31 millions l'année dernière. Donc malgré le fait de sortir moitié moins de jeux l'année dernière et des jeux à peu près la même taille, on a maintenu le chiffre d'affaires parce qu'on est en train de bâtir un back catalogue. Donc là, c'est effectivement le but. Pour Nacon, c'est de continuer comme ça, et normalement on doit faire de grosses années, ce sont 2022-23 et 23-24, puisque c'est les gros développements qui vont arriver, les jeux vont sortir, Test Drive par exemple pour Kiloton, Steel
Steel Rising chez Spiders, un studio avec un partenaire avec qui on a signé avec Daedalic Le Seigneur des Anneaux. Donc là, trois gros jeux qui sortent en 2022. Ce sont des jeux souvent avec des budgets à 10 millions d'euros. Quoi. D'avoir écarté les tablettes et les téléphones comme support de diffusion, ces outils-là sont de plus en plus performants, permettent par les qualités un rendu de jeu vidéo de plus en plus qualitatif. Est-ce que stratégiquement vous allez vous y diriger ou c'est définitif dans votre réflexion? Bon, d'abord, pour moi, il n'y a jamais rien de définitif parce que si vous regardez mon histoire, j'ai beaucoup changé de beaucoup de choses, donc il ne faut jamais dire jamais. Aujourd'hui, on a un savoir-faire dans nos équipes d'édition, qui est le PC et la console. Donc aujourd'hui, le free-to-play, c'est quelque chose où on a du mal. Alors on a des premiers jeux où le live-ops va démarrer, on a Blood Bowl 3 cette année, on aura l'année prochaine... Test Drive Unlimited Solar Crown, donc on va avoir deux premiers jeux où il y a des live ops, on va commencer à apprendre, après on verra quoi. Mais je dirais aujourd'hui, on n'a pas le savoir-faire, donc on ne va pas prendre de risques sur un marché qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on apprenne à gérer les live ops, aujourd'hui c'est un marché qu'on ne connaît pas. À titre personnel, vous êtes joueur, vous consommez le jeu vidéo, vous jouez à quoi? Ben, je joue à Candy Crush. Alors, je suis très peu joueur, effectivement. J'ai joué, mais à l'époque, Atari, Intellivision, les premières consoles. Mais depuis, j'ai plus le temps. J'aime bien regarder. J'ai des équipes chez moi qui sont très joueuses. Moi, aujourd'hui, je suis plus la stratégie financière. Alors, malgré que j'ai une formation d'ingénieur en électronique, je fais plus directeur financier. J'ai petit à petit fait de moins en moins d'opérationnel. Bon, avant, je faisais beaucoup d'opérationnel. Petit à petit, j'en fais de moins en moins, mais je suis tout. Alors, bonsoir, vous avez racheté plusieurs studios et deux studios seulement étrangers. Pourquoi quelles sont les forces et les faiblesses des studios français par rapport aux studios étrangers? Alors, les studios français, pour moi, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont en France. On parle français, on est à côté, on y va facilement. Donc ça c'est bien. Moi, je le préfère. Maintenant, les studios français dans le domaine action-aventure, ils sont très bons. Ils sont très bons. Il y a plus de qualité qu'à l'international. Dans le racing, avec Kiloton, on a aujourd'hui, certainement avec Codemaster, les deux meilleurs studios dans le racing, c'est Codemaster et Kiloton. Hein. Je crois qu'il y a vraiment un savoir-faire. On vient de racheter un studio australien parce que on a remarqué que si on voulait faire un bon jeu de tennis, un bon jeu de rugby, et voire un jeu de cricket, qui en France le cricket n'existe pas, c'est le mieux c'était l'Australie. Effectivement, en Australie, le sport, c'est vraiment une très forte passion. Hein. Et donc, l'Australie, c'est bien pour les jeux de sport. Et donc, on peut dire qu'on aura Nakon Sport en Australie. Après, c'est pareil dans les rachats de studios. Aujourd'hui, je suis agnostique. Hein. On peut racheter un studio en Angleterre, en Roumanie, etc. Maintenant, il y a des pays où c'est des fois un peu compliqué. Pays assez démocratique, là, si on présente un studio russe, j'ai pas trop envie, quoi. Des endroits où on n'a pas trop envie, mais bon, sinon, on est ouvert. Bonsoir, vous êtes dans une approche d'acquisition un peu verticale de studio. Je me demandais, est-ce que vous voyez de la valeur à avoir un partage entre ces studios, et si oui, comment vous essayez, vous arrivez à la créer? Alors en général, on les laisse libres. Donc là, Roman, il peut parler, parce que des fois, il y a effectivement certains partages qui ont lieu, mais pas beaucoup, un petit peu, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, parfois, il y a des synergies. Moi, je pense en ce qui nous concerne, Echo et Cyanide, qui
sont des studios à peu près de notre âge, on va dire, de notre ancienneté, et qui sont des, pour leur fondateur, des gens avec qui moi je m'entends très bien depuis longtemps. Donc on avait déjà cette espèce de partage de connaissances, de l'AS, on a un petit peu accéléré les synergies, un petit peu en techno. Et puis après, on a aussi des règles de recrutement, on recrute beaucoup. Et on essaye de s'entraîner, et surtout on essaye de ne pas débaucher chez les copains. Ou alors on le fait très discrètement. Mais voilà, ouais, il y a des synergies logiques qui se créent. Après, on a tous des spécificités et on est sur des genres très différents. Peut-être que Patrick de Cyanide et Benjamin de Echo ont plus de synergies parce qu'ils peuvent être amenés à faire des jeux d'action-aventure ou des choses plus proches. Nous, on est le seul studio du groupe à faire du racing. Enfin, il y a Race War qu'on a fait un petit peu aussi. Oui, mais avec ton moteur. Mais avec notre technologie. Ouais. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. Autant Léo Pica que Race War, donc le studio milanais et le studio belge, ont utilisé et utilisent notre techno propriétaire. Ça, c'est directement une synergie. Et évidemment, ils la développent aussi de leur côté et on en a l'usufruit, on a l'usufruit de leur développement par la suite. Ok, parce qu'en fait, on a par exemple un Ubisoft qui, souvent sur des grosses productions, va vraiment faire appel à plusieurs studios. Est-ce que vous pourriez envisager ou imaginer de faire des IP cross-studio en fait ? On l'a envisagé, fut un temps. Avec le studio milanais. Ça ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons, de planning et de choses comme ça, mais oui, pourquoi pas. Du co-développement, oui. C'est des fois un peu compliqué, hein, parce que chacun a son caractère et son truc. C'est un peu compliqué. Par contre, par exemple, on a la licence Titi Iron Man. Voilà, donc Roman a fait le 1 et le 2, il est possible que le studio italien fasse le 3, parce que Roman il n'aura pas le temps, il n'aura pas les équipes pour le faire. Donc on peut, quand on a une marque, voilà, c'est vrai que petit à petit on commence à avoir un portefeuille de marque, par exemple chez Cyanide on a Styx, il n'est pas impossible d'utiliser Styx dans un autre studio pour faire un autre type de jeu. On a racheté la marque Gridfall. Bon, ben, la suite ça sera Spider ce qu'il fait, mais demain pourquoi pas un autre studio fera... utilisera la marque Gridfall pour un autre type de jeu, mais bien sûr restant toujours dans le action aventure quand même malgré tout. Donc, j'ai pas, c'est possible. Bonjour, j'aimerais poser une question pour avoir un avis. C'est super intéressant d'avoir justement le côté développement et le côté groupe. Je suis dans le secteur de l'e-sport et c'est vrai que j'ai beaucoup de questionnements en fait sur cette partie-là au niveau des groupes. Comment vous le voyez, sachant que c'est un outil, je sais que Nacon travaille en plus au niveau accessoire très le sujet, puisque vous avez des ambassadeurs qui sont des amis à moi, donc c'est super intéressant. Et en fait, au moment du développement du jeu, est-ce qu'aujourd'hui on se pose la question de, en tout cas au niveau peut-être des développeurs, le jeu doit-il être e-sport ou est-ce qu'il le deviendra s'il doit le devenir ? Sur le e-sport, quelle est la stratégie de... e-sport, oui, sur le e-sport, on a une stratégie assez forte aujourd'hui. Bon, c'est chez nous, c'est notre département marketing qui suit. Mais bien évidemment, on est en relation avec pas mal d'organisateurs. On vient de signer avec Ubisoft un partenariat, comme on s'est dit hier. On a un partenariat avec Roland Garros, on fait les matchs de tennis avec la compétition de sport. WRC. WRC 6, si je ne dis pas de bêtises, était 7, 5, pardon. Était le premier, un des premiers jeux de course automobile, de race, avoir une compétition à offrir, à proposer une compétition e-sport. C'était un pari. Et depuis, tous les WRC ont leur compétition e-sport. Donc, après, ça s'est fait naturellement en fonction du... Ça se fait naturellement en fonction du titre. Oui, en fonction du jeu. Merci. Oui, j'aurais une question. C'est beaucoup plus pour
pour les dirigeants de studio, du coup, la question c'est à quel point aujourd'hui vous avez l'impression, en tant que dirigeant, vous avez encore une liberté pour, en gros, investir, par exemple, je sais pas, dans un nouveau bureau, dans de la R&D, versus les projets. Comment ça marche, en fait, ce genre de décision? Qu'est-ce qui rentre dans la décision dans la cour de Nacon versus dans la décision dirigeant? J'imagine bien que c'est une entente qui se fait, mais je veux dire, comment ça se construit, finalement, ce type de décision stratégique et de développement d'entreprise, en fait? C'est sûr que quand on a discuté du rachat avec Alain, on avait déjà un plan à lui présenter. Donc c'est bien avec ce plan-là qu'on s'est mis d'accord sur le rachat. Donc naturellement, ce plan, il intégrait un développement du studio. Donc naturellement, j'ai juste pu, entre guillemets, offrir les rêves que j'avais pour le studio avec l'appui de Nacon. Donc il n'y a pas d'ingérence de Nacon sur non, vous allez ici, vous devez tous tenir dans 40 mètres carrés, ou vous ne pouvez pas recruter telle personne ou telle personne. Ça s'est fait naturellement parce que ça faisait partie du plan de développement du studio. Et notamment pour Castel Games, c'était aussi pour ça que je cherchais un partenaire, c'était plutôt pour développer le studio, trouver avoir des moyens de mieux rémunérer mes collaborateurs et d'embaucher de nouvelles personnes. Oui, nous, on n'est pas, je dirais, on ne s'occupe pas de savoir les bureaux, s'il faut 800 mètres carrés ou 840 ou 220. Je dirais qu'à partir du moment où les gens proposent un, disent, voilà, je prends le cas de Spider, c'était le dernier cas, où bah, ils m'ont dit, c'est trop petit, Jeanne m'a dit, c'est trop petit, je vais aller chercher de nouveaux locaux. Elle a trouvé des nouveaux locaux, elle m'a dit, ça coûte combien, maintenant j'ai oublié. Je lui ai dit, bah, c'est bon, on y va. De toute façon, il fait des nouveaux locaux à Paris parce que les développeurs n'ont pas envie d'aller, ils ont pas envie d'aller à Saint-Denis, donc voilà, c'était à Paris. On va pas, il n'y a pas d'ingérence de ce côté-là, on ne va pas. Le patron de studio, il reste pas trop. Donc derrière, les coûts qu'il y aura du loyer, ben, ça va rentrer dans les coûts des Blackstone et ça rentre dans les coûts qui doit nous a promis certains jeux. Non, je suis complètement d'accord. De ce point de vue-là, ça n'a strictement rien changé. Et je dirais que le côté positif, typiquement, nous, parce qu'encore une fois, on fait beaucoup de, enfin, on fait que des sports mécaniques, il y a une vraie question de licence, autant de constructeurs que d'équipes, de teams sportives, etc., etc. Et le fait d'appartenir à un groupe qui a lui-même un département licensing assez costaud nous a permis de développer énormément cette partie-là, d'avoir des relations fluides avec les constructeurs automobiles, hein, j'entends, de pouvoir envisager de réfléchir à vos licences de demain, là où un petit studio indépendant a vraiment besoin de faire ses preuves pour discuter avec ces gens-là qui ont toujours un peu l'impression que leur licence vaut beaucoup plus que ce qu'elle ne vaut réellement. Donc être épaulé ou s'épauler ou être adossé, pardon, à un groupe, ça aide aussi et ça fluidifie énormément d'un point de vue production et à la vitesse à laquelle on avance sur les choses. Quant au loyer, effectivement, même pas sur le terrain, soit au courant de combien on a de mètres carrés à Paris ou à Lyon. Ah, c'est vrai que l'exemple du loyer peut-être est un peu trop court là. Mais par exemple, si on prend un exemple voilà, de la naissance d'un prochain projet, au-delà de ce qui est déjà défini dans le planning, en fait, est-ce que c'est un projet qui est proposé par le studio au groupe? Est-ce que c'est le groupe qui dit, bah tiens, d'accord. Les deux cas sont possibles. Hein. Oui, c'est souvent une discussion, c'est-à-dire que de toute façon, il faut rester dans l'ADN du studio. Donc voilà, je ne peux pas en parler sur le temps, mais bon, c'est pas encore public. Mais sinon, bon, si je prends le cas, j'avais racheté la marque Gridfall, Spiders, elle a lancé Steel Rising, mais c'est sa création, c'est parce que c'est Jeanne avec ses équipes qui a écrit tout le scénario, hein, donc c'est une grosse production, voilà, et derrière, elle va faire un nouveau Gridfall, mais elle va le présenter, ses idées à nos équipes, qui vont peut-être certains dire oh, on n'aime pas ça, on aimerait mieux comme ça, mais en gros, après, c'est entre l'équipe d'éditeurs et de développeurs, de la même manière que ça se passe habituellement, mais
limite, on laisse peut-être plus de liberté quand c'est notre studio que quand on a un partenariat. Donc, bon, il y a une liberté totale. Puis, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai dit pour toutes mes équipes, j'aurais dit, le plus important, c'est que les développeurs prennent du plaisir. Ils seront bons que s'ils prennent du plaisir. Donc, il faut aller vers leur passion. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent des jeux, il ne faut pas leur imposer de faire un jeu qui ne les intéresse pas, ils seront mauvais. Donc, ça, c'est. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand la vision d'un studio et son acquéreur divergent depuis quelques années? Alors, je sais que ça paraît d'après tout ce que vous dites, vous c'est vraiment que le studio soit vraiment travaillant dans ses ambitions et soit vraiment content. Mais si ça se passe mal, quelles sont les opportunités c'est quoi les études possibles pour le studio ou le groupe? Comment ça se passe? Alors bon, si ça se passe mal, c'est déjà arrivé qu'il y ait des jeux qui ne sont pas bons. Ça, ça arrive. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent partout. Donc, quand ça se passe mal, on essaye de demander au studio d'améliorer le jeu. Puis, il l'améliore, on passe du temps, on met de l'argent, et puis enfin, on a ce qu'on a. Puis, des fois, quand le jeu a mal démarré, souvent, il n'est jamais bon. Il a été mis quand il a démarré à l'envers, et puis on passe à autre chose. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas de cas où on s'est vraiment engueulé avec le studio qui nous appartient. On a eu des cas de jeux, on a eu le cas par exemple avec Cyanide, avec Werewolf, où le jeu il avait démarré en développement chez Focus. Focus, quand on les a rachetés, ils n'en voulaient plus. On les a rachetés le jeu à Focus. Chez nous, on voyait que le jeu n'était pas bon. On leur a demandé de modifier, ils étaient d'accord, ils ont modifié, puis à la fin, ça a mis 4-5 ans, et le jeu qui est sorti était très moyen. Voilà. On passe à autre chose. Quoi. Mais, depuis le début, on savait que le jeu ne serait pas bon, et finalement, il est moyen, mais pas terrible. Voilà, des choses qui arrivent, depuis le début, on savait. Vous faites la différence entre le jeu et le studio? Ah oui, bien sûr. Ben après, c'est le studio. Alors, le jeu, c'est une équipe du studio, mais je veux dire, si au départ, le scénario, ça ne fonctionne pas parce que le gameplay, ça ne va pas être bon, alors on a même eu quelqu'un de chez Spiders qui a été dans le studio pour améliorer le combat parce qu'ils n'y arrivaient pas, quoi, parce qu'ils n'avaient pas l'expérience. Donc, après, on essaye avec le studio de trouver des solutions, mais je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont fait un jeu qui n'était pas très bon. Qui ne seront pas capables de faire un bon jeu. Donc on espère le prochain, on démarre une nouvelle production. Et voilà, on espère que ça sera bien. Non, on n'a pas eu de cas de conflit, en tout cas aujourd'hui, vraiment problématique. Des fois on peut être déçu. Hein, pardon, il y a beaucoup de questions en ligne aussi. Je vais peut-être en poser une. Pour revenir sur la stratégie de Nacon, sur le site institutionnel, en tout cas, vous affichez une ambition sur le marché de AAA. Une question qui m'a intéressé beaucoup de gens ici, parce qu'on en a beaucoup parlé cet après-midi. Et donc, la question, c'est voilà, pourquoi le marché de AAA et du coup, sur quelle console dans les années à venir? Alors. Pourquoi le double A? Il y a en dessous du double A, il y a le simple A. Là, le double A, il y a double A ou triple I. Hein, c'est un peu différent, mais on commence aussi un peu le triple I. Voilà. Pourquoi? Parce que ça correspond au montant qu'on veut investir. On pourrait très bien faire des triple A, parce qu'on a suffisamment d'argent pour en faire un tous les ans. Un tous les ans, s'il ne marche pas, c'est la catastrophe. Quoi. Donc on préfère faire 15 double A qu'un triple A. Donc voilà un peu pourquoi, parce que ça correspond. Aujourd'hui, on est sur des capex de 50 millions par an. Donc on investit 50 millions par an. Donc avec 50 millions, on peut faire, c'est-à-dire sur 2 ans, ça fait 100 millions. On va faire 30 jeux à 3 millions. Voilà, en moyenne, hein, il y en a au-dessus, il y en a en dessous. On pourrait faire 2 jeux à 50 millions. Et ça ferait 1 par an. Avec le risque qui est beaucoup trop élevé. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est petit à petit
grandir, faire prudemment, en limitant les risques. Voilà, l'ambition, ben, ça, aujourd'hui, on a levé de l'argent, c'est pour des résultats 2022-2023. Ça ne veut pas dire que ça peut dire, si on réussit 2022-2023, ça veut dire qu'ensuite, horizon 26-27, ben, on pourra passer à un étage supérieur et ben, faire des plus gros jeux, faire un peu plus de jeux, peut-être sortir 20 ou 25 jeux à la place de 15, peut-être des moyennes à 10 millions plutôt qu'à 3 ou 4. Donc voilà, on va essayer de grandir. Maintenant, moi j'ai l'habitude de dépenser l'argent que j'ai gagné avant de. Plutôt que l'argent que j'ai pas, quoi. Donc il faut y aller prudemment et avancer. Je dirais que si ça marche bien, la valeur de Nacon, eh ben, l'objectif c'est qu'elle triple. Si la valeur de Nacon triple, on pourra lever de l'argent, mais à ce moment-là, on ne lèvera pas 100 millions, on lèvera 250. Et à ce moment-là, avec 250, on pourra faire mieux. Là, mais il faut y aller step by step, comme on dit. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une question. Au tout début, vous avez parlé de la recherche de futurs studios à racheter. Aujourd'hui, c'est quoi à la fois vos moyens de recherche, c'est quoi comment vous recherchez les studios et c'est quoi surtout vos recherches? Alors, on recherche des petits studios, des studios moyens, des studios voilà, d'une taille petite ou moyenne qui peuvent nous convaincre qu'ils sont capables de faire des bons jeux. C'est tout. Alors, c'est tout ce qu'il y a. Donc, s'ils ont déjà, donc, je prends le cas de Sylvain, voilà, il a sorti Curse of the Dead Gods, il est super le jeu, il a fait un petit jeu qui est super, donc on a été intéressé. Voilà, parce qu'il a prouvé qu'il est capable, donc on est intéressé. Donc c'est la qualité, un bon jeu, enfin, c'est un point pour démarrer. Sur console ou PC, pas sur mobile pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas. Voilà. Dans les jeux vidéo, on parle beaucoup de multiples. On parle d'acquisition, on parle de multiples d'éditeurs. Donc j'ai une double question. Quelle est votre valorisation aujourd'hui sur la base de votre éditeur en multiples? Vous avez combien de fois votre éditeur? Alors aujourd'hui, Nacon vient de publier ses chiffres. C'est 60 millions d'EBITDA et 32 millions d'EBIT. Et on est valorisé à un peu moins de 600 millions. Donc à peu près 10 fois l'EBITDA et 20 fois l'EBIT. D'accord. Et l'idée, c'est que quand vous achetez un studio, il faut qu'il soit relutif, il faut qu'il soit dilutif pour acheter. Non, il faut qu'il soit relutif, donc il faut que j'achète. C'est forcément ça, relutif va faire. Voilà. Maintenant, je travaille pas comme ça. Voilà. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que je peux prendre un studio qui a sorti un bon jeu. Je prends le cas de Sylvain, qui a sorti un bon jeu. Il en prend son bilan, je ne sais pas, il va gagner, je sais pas, 20 000 euros. 20 000 euros d'EBITDA ou des choses comme ça. Ouais, un peu plus. Pas beaucoup plus. Alors, en gros, il n'y a pas grand-chose. Donc, de prendre un multiple de ce chiffre-là, c'était pas cher. Quoi. Et donc, je suis prêt à payer beaucoup plus cher parce qu'il avait un éditeur qui s'appelle Focus. Et Focus, il a gagné de l'argent. Donc, moi, je tiens compte aussi de combien gagne l'éditeur avec le studio. Puisque, bien évidemment, donc, je paye moins que 10 fois l'EBITDA, mais je paye l'EBITDA du développeur et celui de l'éditeur qui peut être Nacon, mais qui peut être un autre éditeur. Donc, je vais aussi acheter la valeur de l'éditeur. Que bien évidemment, si demain Nacon est éditeur, là, il va faire ce résultat. Donc je tiens compte de tout ça. Donc bien évidemment, j'ai des studios qui gagnent zéro, qui perdent de l'argent, mais s'ils font des bons jeux, ben, je vais calculer combien le jeu a rapporté et, voilà, et je vais payer un multiple du résultat du jeu, même si ce n'est pas le studio qui l'a fait. Et vous rajoutez un burn-out aussi avec un multiple de l'EBITDA futur. Le burn-out est construit sur un multiple de l'EBITDA futur. Alors le learn-out va être construit, alors moi j'ai l'habitude, après tout ça c'est des discussions, hein,
Mais j'ai l'habitude de dire, voilà, le prochain jeu qu'on va sortir, ça va être, on va prendre une note métacritique. Alors, on va dire, voilà, s'il y a 70, c'est autant, 75, c'est autant, 80, c'est autant. On va dire, voilà, tel jeu, il fait le budget, mettons, c'est 3 millions d'euros. On va dire 3 millions d'euros, il faut faire, si on fait 4 millions de chiffre d'affaires, ce qui veut dire 200 000 ventes, à 200 000 ventes, on va mettre un earn-out, à 300 000 ventes, on va mettre un autre earn-out, à 400 000 ventes, on va mettre un autre earn-out. Donc c'est un peu des trucs comme ça, qui fait qu'on peut, en général, doubler, voire plus, ça dépend le montant de départ. Merci. J'avais une deuxième question qui n'a rien à voir. Comment est-ce que vous arrivez à mutualiser des techs en interne? Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'il y a vraiment les outils que vous arrivez à mutualiser ou pas du tout? On a un peu parlé des API tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des engins, est-ce qu'il y a des outils que vous avez développés par les uns et par les autres qui sont. Après, les studios, ils ont leur tech, ou alors on travaille aussi avec Amri, hein, on a un contrat avec Epic, donc on a un contrat où on paye pas très cher en réalité, donc le studio qui a pas envie de s'embêter à faire sa tech, il y a aussi la solution Amri, hein, où on a certains studios qui utilisent Amri, il n'y a pas de problème, quoi, hein, donc si après ils préfèrent utiliser Amri plutôt que développer sa tech, il n'y a aucun souci. Nous, on n'impose pas, quoi. Après, c'est le studio comme il veut, comme il se sent à l'aise. Quel niveau de support vous apportez au studio en termes justement de services connexes, que ce soit des business dev, du marketing, de Nous, on fait ce que fait un éditeur, c'est-à-dire on fait tout le producteur qui suit, il y a le marketing, il y a tout. Alors maintenant, on est en train de mettre en place un système de reporting Livebox pour avoir toutes les datas dans le jeu, donc ça, c'est nouveau, c'est pas encore. J'espère que ça marchera bien pour Fred Drive, puisque là, écoute, on a embauché toute une équipe pour ça, quoi. Donc effectivement, on a été débauché des gens qui avaient l'expérience en Livebox pour mettre en place des reportings en temps réel, pour savoir les joueurs qu'est-ce qu'ils font, où c'est qu'ils font, est-ce qu'ils s'arrêtent de jouer, est-ce qu'ils continuent, est-ce qu'ils achètent, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on est en train d'apprendre, là, on est en train d'apprendre. Alors moi, à titre personnel, j'ai un grand défaut, c'est que je ne vends jamais rien. Des jeux. Hein? Des jeux, par exemple. C'est des jeux, je vends, mais... je vends, mais toutes les... Bon, c'est pareil, j'ai créé Big Ben, j'ai mis Big Ben en bourse, j'ai jamais vendu une action. Donc, je suis pas, à titre personnel, bon, ça ne m'intéresse pas, donc... Le but aujourd'hui d'acheter des studios, c'est pas du tout pour les revendre. C'est aujourd'hui on fait avec le studio un plan à 5 ans, puis au fur et à mesure on continue les plans parce que le but c'est de continuer à faire de la croissance. Après, voilà, et donc c'est les studios, il y en a certains qui ont envie de grandir et d'embaucher, il y en a d'autres qui ont moins envie. Après, on suit. Roman il y avait 40 personnes dans le studio, il y en a 150 aujourd'hui. Voilà, celui-là, il y avait 9 personnes, aujourd'hui il y en a 12, et il compte arriver à 17, voilà, très bien. Voilà, il y a Spiders, quand on l'a racheté, ils avaient 30 personnes, aujourd'hui il y en a 60, et bon, c'était le plan de Jeanne, elle voulait faire deux équipes séparées pour faire deux jeux en parallèle et avoir des économies d'échelle. Donc, c'est son plan, je l'ai validé, puis on y va, quoi. Donc, mais après, voilà, derrière, elle a déjà un troisième jeu qu'elle fera après et qui sortira en 2025. Donc là, on a déjà une stratégie jusqu'à 2025 et puis ensuite on va continuer. Alors après, d'un studio à l'autre, ça sera certainement différent. En tout cas, on n'achète pas les studios pour les vendre, on achète pour créer des contenus, puisqu'on est convaincu qu'il faut avoir le plus de contenu de qualité possible. Oui. J'ai une question pour les directeurs de studio. Apparemment, c'est moi-là. Vous avez un bien
bien managé, j'ai l'impression. Enfin, après tout ce qu'on entend, ça a l'air de bien se passer. Je ne sais pas si c'est le cas partout. Et la question c'est, est-ce que vous connaissez tous, tous les CEO de studio, un studio est racheté par la COP, un nouveau CEO qui devient un directeur de studio, un créateur de studio, est-ce qu'il y a une communauté entre vous, est-ce que vous échangez régulièrement sur... Alors, on a commencé à le faire, mais malheureusement avec le Covid, ça s'est arrêté. On faisait au départ des réunions tous les deux mois, parce que c'était intéressant de se réunir à Paris, etc. Maintenant, l'Australie ne peuvent pas venir, l'Italie, encore, ben, ça va commencer à aller avec le pass sanitaire. Enfin, on a prévu d'en faire une en juillet. Mais bon, pendant un an, on n'en a pas fait, mais le but, effectivement, c'est d'échanger, de faire... faire tous les 2-3 mois une réunion avec tous les patrons de studio pour que chacun échange qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, etc. Donc c'était sympa, quoi, hein, on se faisait une petite réunion le matin, un petit déjeuner, et, c'était très sympa. Mais... Merci. Ça manque, mais avec le confinement, tout ça manque, hein. J'espère. Hein. Moi, j'ai une petite question en ligne aussi, qui pourrait être une question d'actionnaire d'ailleurs, je ne sais pas qui l'a posée. La personne demande si le déconfinement ne risque-t-il pas d'avoir un effet négatif sur les ventes. Plus de terrasses, moins de consoles. C'est certain d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, c'est évident. Je dirais, l'année dernière, on était sur une phase de transition. Habituellement, quand on passe d'une génération à l'autre, on a l'année 7 où le marché, d'habitude, il baisse un peu, il stagne ou il fait moins 5. L'année dernière, le marché, il a plutôt fait plus 10, il a été très bon. Il était très bon grâce au confinement, parce que les gens qui étaient chez eux, ils avaient une autre affaire que de jouer. On a assisté à quelque chose qui est totalement exceptionnel, c'est la première fois qu'en année 7, il y a des ruptures de stock de consoles PS4 et de consoles Switch pendant le confinement. Donc c'est quelque chose totalement anormal. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des nouveaux joueurs qu'il n'y avait pas avant. Donc ces nouveaux joueurs, ce qui est positif, c'est que maintenant ils continuent à jouer. Alors oui, si on compare avril de cette année ou mai de cette année à mai de l'année dernière, où il y avait un confinement strict à peu près au monde entier, oui, l'année dernière c'était mieux. Ça c'est sûr. Mais ça a duré quand même que 2-3 mois, cet effet confinement. Donc, oui. Effectivement, ça joue et ça jouera. Maintenant, il y a quand même plus de joueurs qu'avant le Covid, et ça, c'est le côté positif pour l'industrie. Quoi. Merci, en tout cas c'était très intéressant. Je vous propose du coup de poursuivre à côté si vous le souhaitez. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui chez nous, à Lyon, pour parler de tout ça. C'était un très grand plaisir et surtout que c'est mon premier déplacement présentiel, donc c'est vraiment bien.